Et oui, donc salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo délire. Donc le cinquième épisode de ma série YouTube, donc Warrior of GT 6, donc une série sur Gran Turismo 6, donc le jeu de bagnole où on peut tout faire. Donc ouais, non, quand même pas, c'est pas du GTA non plus. Donc voilà, donc on se retrouve avec mon ami Flo Flo, qui est en direct avec moi dans le glitch. Voilà, donc Flo Flo 77 Shell, voilà. Donc voilà, donc à la base en fait c'est moi qui avais découvert ce glitch avec un autre ami qui s'appelait XX Rafa, je sais plus quoi. Et en fait on a voulu garder ce... En fait on a gardé ce glitch secret pendant très longtemps. En fait on est des glitchers, en fait on a toujours cherché des glitchs dans Gran Turismo, je vous l'avoue. On a gardé ce glitch secret pendant super longtemps. Et là je tiens à vous le dévoiler. Donc en fait c'est le plus grand glitch de Gran Turismo 6. Donc voilà, donc il y a des putains de sauts à faire. Donc c'est comme le Paris-Dakar, c'est exactement pareil sur le circuit de Toscana. Donc je vous dirai pas l'entrée, je vous laisserai chercher. J'ai envie que vous creusiez les ménages, vous aussi. Donc ce sera à vous de trouver l'entrée du glitch. Si vraiment personne ne le trouve, je vous la communiquerai dans une autre vidéo, l'entrée. Donc voilà, donc on se retrouve, donc on va faire une énorme boss. Voilà, donc voici donc le plus grand glitch officiellement de Gran Turismo 6. Vous allez voir, on peut faire des trucs de malade. Wow. Maintenant, on va la refaire en vue, donc en vue extérieure, où on voit tout le véhicule. Là, je sens que ça va vous plaire. Maintenant, on va laisser passer Flo Flo devant pour que vous voyez la, comme on saute haut, en fait. Olé. Donc, comme vous voyez, il faut contourner les arbres. Sinon ça nous fait sortir du bug. Donc voilà, donc c'est un bug que j'ai en fait, voilà, comme je vous l'ai dit, je l'ai gardé secret. Donc ce sera à vous de trouver l'entrée. Je vous donne à tous les Français, tout le monde entier qui regarde cette vidéo. Donc à vous de trouver l'entrée. Donc on va laisser passer Flo Flo devant. Je vais faire un petit départ façon Fast and Furious. 3, 2, 1, go. Ok, faux départ, on s'en fout. Allez, c'est parti. Donc voilà, je vous ai dit qu'on se mettait comme ça. Voilà, donc on va regarder le saut de Flo Flo. Oh, et Flo Flo qui a raté son saut. Il est parti en tête à queue, ouais. Ouh là 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 là, je contrôle plus la glisse. Oh les. Voilà, donc vous avez vu, c'est un glitch de malade. Donc on va refaire. On va essayer de faire en sorte que Flo Flo se paye le pas. Wow. Vous avez vu, donc vous avez de la place, hein. Et là c'est juste une bosse, hein, parce qu'il y en a des millions de bosses. Vous avez des millions et des millions et des millions et des millions de bosses. C'est juste que celle-là c'est vraiment la meilleure. Donc c'est parti, on va laisser passer Flo Flo devant. Donc comme ça vous allez voir le saut de Flo Flo et le mien en même temps. Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de malade. Wow. Oh non, 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 pas les limites de la map. Pas les limites, non, non. Voilà, donc seul problème de ce glitch, c'est qu'au bout d'un moment, si vous prenez trop vite un des sauts, vous finissez hors du glitch. Mais sinon, c'est vraiment le plus grand Gran Turismo 6, le plus fun à faire. Donc bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc voilà, je vous ai lancé le défi à vous, au monde entier, à vous de trouver l'entrée du glitch. Allez, ciao.